Que ta porte est large, Seigneur, pour m'accueillir dans ton temple. Que ta parole est bienveillante pour me guider sur ma route. Que ton sourire est doux pour embraser mon âme. Large ta porte, bienveillante ta parole, doux ton sourire pour porter ta bénédiction sur moi. La grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur sont sur nous. Amen. Et nous nous levons pour chanter « Ô mon âme sans relâche », le psaume 146, vous le trouvez au numéro 70, le numéro 70 de vos recueils de cantiques. Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte et bienvenue à vous qui nous rejoindrez cet après-midi, demain, pour le culte online. Commençons par louer le Seigneur. Nous le ferons en suivant le psaume 27, c'est le numéro 73 dans vos recueils de cantiques, numéro 73 dans vos recueils de cantiques. Entre chaque strophe de lecture, nous chanterons l'antienne « Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, Alléluia ». Nous commençons par l'écouter jouée par Vincent, nous la reprenons et nous suivons par le psaume.
salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Que s'avancent contre moi les méchants, mes adversaires et mes ennemis. Ce sont eux qui perdent pied et qui s'effondrent. Que m'assiège une armée, mon cœur sera sans crainte. Que la bataille soit engagée contre moi, je garde ma confiance. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Écoute, ô Seigneur, ma voix qui t'invoque. Prends-moi en pitié et daigne m'exaucer. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Seigneur. Ne détourne pas de moi ton visage. Ne rejette pas ton serviteur dans ton courroux. Ne me délaisse pas, toi qui as été mon secours. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Que mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur, lui, me recueille. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Seigneur, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi sur une voie sûre, malgré ceux qui me guettent. Ne me laisse pas à la merci de l'adversaire, des faux témoins qui se lèvent contre moi et ne respirent que violence. Oui, j'en ai l'assurance. Je verrai la bonté du Seigneur. Sur la terre des vivants, je la verrai. Mets ton espoir dans le Seigneur. Prends courage. Sois fort. Dans le Seigneur, mets ton espoir. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Reconnaissons maintenant devant Dieu ce qui nous charge. Nous prions. Dieu de compassion, nous voulons nous confesser ce matin pour toutes les fois où nous avons fermé nos portes pour garder nos trésors, au lieu de les faire fructifier en ton nom. Nous te remettons tous nos temps d'égoïsme où nous avons voulu tout faire par nous-mêmes, même passer par le trou d'une aiguille. Nous confessons parfois jouer au bon petit soldat devant toi, en espérant gagner ta bienveillance, alors qu'elle est là, posée devant nous. Nous reconnaissons préférer parfois la porte ouverte de la facilité à celle plus étroite du dialogue et de la bienveillance. Pose, Seigneur, ton regard sur nos impatiences, notre arrogance et nos agacements. Amen.
Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. Quand nous cessons de nous regarder nous-mêmes, quand nous cessons de nous accrocher à certaines futilités, quand nous nous regardons honnêtement, quand nous cessons de résister au changement, alors nous découvrons qu'il y a toujours une possibilité de renouveau grâce au pardon de Dieu. Si Dieu nous remet debout, c'est aussi pour que nous soyons en capacité d'appliquer sa loi que nous écoutons maintenant. Et Dieu prononça toutes ces paroles. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, ou dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas. Car c'est moi, le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 ou 4 générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elles m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Que du jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapt. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain. Tu n'auras pas de visée ni sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain. Amen. Et nous chantons « En toi je me confie ». Le cantique numéro 389, cantique numéro 389, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, numéro 389. Thank you.
Je vous invite à la prière. Seigneur, fais taire en nous les bruits de ce monde. Que le Saint-Esprit nous éclaire afin que ta parole devienne pour nous, aujourd'hui encore, parole de vie, d'espérance et d'amour. Amen. Dans Marc au chapitre 10, je lirai les versets 17 à 31. Comme Jésus se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait : « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit : « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient déconcertés par ces paroles, mais Jésus leur répète : « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux : « Alors, qui peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus dit : « Aux hommes, c'est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire : « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus lui dit : « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 104. Que Dieu seul. Nul n'est bon que Dieu seul. Voilà,
Tout est dit. Nous pourrions nous en arrêter là, à cette sentence lapidaire de Jésus qui remet tout le monde en place, y compris lui-même. Nul n'est bon que Dieu seul. Voilà, merci, bon dimanche à tous, merci d'être venus. Bon, il me semble que ce serait un peu rude d'en rester là. Cette allégation de Jésus mérite quelques développements. Nul n'est bon que Dieu seul. Alors, dans une première écoute, je trouve un peu déprimant cet énoncé. Nous avons plus ou moins l'ambition d'être bons, bonnes, au moins dans quelques domaines. Bon père, bonne amie. Et Jésus nous sape un peu le moral. Nul n'est bon que Dieu seul. Alors, je pense que quand il le prononce face à cet homme, c'est un peu voulu. Dans ce passage de l'évangile de Marc, Jésus répond quand même très sévèrement à cet homme juif accouru à lui en tombant à genoux pour le questionner. Bon, il s'avère que quand quelqu'un approche et arrive ainsi face à Jésus, soit il demande une guérison, soit il lui pose une question pour le piéger. Alors face à cette nouvelle intrusion, Jésus semble méfiant et se protège. Effectivement, l'entrée en matière du demandeur ressemble à un exercice de flatterie. « Mon bon maître, comme le ferait un valet à son maître. » Et pour prévenir toute tentative de se concilier ses bonnes faveurs, Jésus pose la limite par cette réponse lapidaire « Nul n'est bon que Dieu seul. » La seule vraie bonté est celle de Dieu. Comme l'affirme le psalmiste au psaume 119, verset 68, « Tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes prescriptions. Enseigne-moi tes prescriptions. » Donc la suite de l'annonce de la bonté de Dieu, ce sont les prescriptions de la loi. Jésus va donc poursuivre son enseignement et il renvoie l'homme aux 10 commandements, paroles reçues par Moïse. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Ce qui est curieux à ce moment-là, c'est que Jésus les énumère de façon un peu désinvolte. Il n'en respecte pas l'ordre et il y ajoute un commandement inédit, tu ne feras de tort à personne. Alors certes, ce commandement apparaît comme une synthèse des autres, mais c'est un ajout. Et cette réponse ne convient absolument pas à cet homme en attente d'une parole autre qu'un rappel à la loi. Loi que tout honnête citoyen d'Israël se doit de mettre en pratique. Et encore plus déstabilisant dans la réponse de Jésus, il ne cite aucune des paroles un peu plus spirituelles du Décalogue. Par exemple, « Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi ». Pourtant, au fil de l'échange, nous nous rendons bien compte que la requête de cet homme s'avère sincère et profonde. Il n'est pas venu piéger Jésus. Il ne demande pas une guérison. Il est véritablement agité par cette question « Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Et dans sa réflexion, il a deux intuitions. D'une part, que l'observation des lois ne lui apportera pas ce qu'il cherche. Et d'autre part, il perçoit que ce maître-là peut le faire avancer. Il se dit qu'acquérir la vie éternelle promise nécessite un effort de plus que l'observation stricte de la loi. Et il vient à Jésus pour découvrir une nouvelle exigence,
pour hériter du salut. Alors bien entendu, il est déçu devant la réponse du bon maître qui ne lui rapporte pas d'éclaircie. Il ose afficher sa déception et son incompréhension. Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse et je le sens bien. Cela ne m'amène pas plus qu'à être un honnête homme, c'est déjà cela. Mais à quoi bon, si rien ne vient en plus ? Devant ce cri du cœur, Jésus le regarde, je dirais même Jésus le regarde enfin et se prend à l'aimer, écrit le texte. Nous pouvons imaginer que durant tout le début de la scène, Jésus tente l'esquive, n'accroche jamais le regard de cet homme à genoux devant lui, dont il se défie avec ses bons maîtres. Il veut en fait s'en débarrasser. Et pourtant, devant le désarroi de cet homme, Jésus effectue lui aussi une conversion devant sa sincérité et l'honnêteté de sa quête. Alors Jésus s'arrête et prend le temps de l'écoute. Ça peut être une indication pour nous, parfois même avec Jésus, il faut insister pour entrer en contact avec lui. Nul n'est bon que Dieu seul. Jésus le regarde, Jésus se prend à l'aimer, et pourtant, il ne va pas l'épargner pour la suite. Il lui propose le processus suivant. Une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Quelle radicalité! Quelle radicalité dans la demande! Et elle nous fait frémir cette demande, à nous qui possédons beaucoup. Alors, après le premier choc, allons doucement face à cette incroyable demande de Jésus. Déjà, la conséquence immédiate de cette demande. L'homme en recherche n'en supporte pas la radicalité. Pour lui, le champion de la foi, la barre est effectivement trop haute. Il lui semble impossible de suivre ce nouveau commandement-là. Alors, il s'en va et part rejoindre le cours de sa vie avec ses questions sans réponse, sa quête de vie éternelle. Livré à lui-même, il repart triste. Notons qu'ici, il n'y a pas de miracle. L'homme ne suit pas Jésus. La parole de Jésus ne le touche pas au point de le convertir. Au lieu d'obéir à l'appel du Maître, l'homme s'en va, triste. Sa richesse s'avère être un obstacle dans sa relation au Maître. Cela montre que dans la relation à Jésus, il n'y a jamais d'automatisme. Parfois, la relation se noue, le dialogue s'engage. D'autres fois, les liens humains et sociaux mettent des barrières infranchissables. La tristesse de cet homme est douloureuse, mais souligne combien une relation avec Jésus est personnelle. Après la conséquence immédiate de cette requête de Jésus, examinons-en sa nature. La demande de Jésus, si on la regarde bien, est assez paradoxale. Une seule chose te manque, ce que tu as, vends-le. Te manque, vends-le. Paradoxalement, le manque de cet homme
est un trop-plein. Et cela me parle tellement. Moi qui vis dans le trop-plein, trop-plein de tout, d'activités, de nourriture, d'objets connectés, avec leurs corollaires, trop-plein de soucis, trop-plein de préoccupations, trop-plein de questions, trop-plein d'angoisses. N'y a-t-il pas un tri à effectuer dans toutes ces possessions et préoccupations? Lesquelles sont nécessaires à mon bonheur, à mon chemin à la suite de Jésus? Jésus invite au passage au tamis de mon existence pour plus de légèreté, de sérénité à sa suite. Après les conséquences de la demande, après la nature de cette demande, regardons ce que la demande ne dit pas. Il y a dans la réception de ce commandement de Jésus à cet homme riche une école d'interprétation qui aimerait en déduire que seule la pauvreté garantit un accès à la suite de Jésus. Pourtant, cette injonction de tout vendre n'est rien de plus qu'une réponse circonstanciée à une demande précise et n'a aucune valeur d'universalité. Jésus, ici, ne dit rien des gens qui n'ont pas de richesse. En revanche, il est suggéré à celles et ceux qui possèdent de ne pas devenir esclaves de leur richesse, qui leur donne plus de responsabilité dans la société. Une fois le départ de cet homme riche acté, Jésus développe sa pensée devant des disciples médusés, stupéfaits, devant ce maître qui échoue dans son dialogue avec cet homme par ses exigences démesurées. Après tout, c'est la première fois dans les évangiles que Jésus met une condition. Il n'avait jamais auparavant exigé des richesses de quelqu'un pour le suivre. Devant leur stupéfaction, de façon très paternelle, Jésus les interpelle. Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors bien sûr, l'image percute nos imaginaires, elle est même cocasse. Jésus a de l'humour, il reprend sûrement un proverbe de son temps. Imaginez un chameau se faufiler entre et dans le chat d'une aiguille, c'est drôle et impossible. Car voilà le deuxième développement de « Nul n'est bon que Dieu seul ». Il se développe maintenant par « Tout est possible à Dieu ». Car Jésus l'annonce et l'annonce depuis le début de son ministère, rien ne sert de vous tracasser pour la vie éternelle ou reformuler autrement pour entrer dans le royaume de Dieu, car tout reste dans les mains de Dieu. Voilà ce que l'homme riche, voilà ce que les disciples, jusqu'à nous-mêmes, avons tellement de peine à saisir. Nous ne pouvons pas hériter du royaume de Dieu par la cèse, par la bonté, par la richesse, par la pauvreté. Tout simplement parce que il est déjà là, il est déjà donné. Il est déjà donné dans le regard de Jésus sur cet homme par l'amour qui lui témoigne. Alors à quoi bon de jouer aux vertueux, aux pieux, pour plaire à Dieu? Cela
ne fonctionne pas ainsi. Tout cela nous est déjà donné. Avons-nous l'idée de payer un ami pour un repas auquel il nous aurait invités ? Certainement pas. La vie éternelle, le royaume de Dieu ne se monnaie pas, ne se mérite pas. Il se donne. Et il se donne pour nous permettre de vivre de vous, pour nous permettre de vivre la loi de Dieu, non pas pour gagner une part de paradis, mais bien parce qu'il nous donne la liberté de le faire. Alors, nul besoin de faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Simplement saisir le fil tendu et répondre à cet appel. Viens, suis-moi. Amen.
Voici quelques annonces pour la semaine qui s'ouvre, une semaine avec des beaux moments en perspective. Demain soir, lundi 11 octobre à 20h, ici même à la cathédrale, un concert en faveur de la Société genevoise des protestants, en faveur des protestants disséminés. C'est un concert de gospel ici à 20h, demain soir 11 octobre. Samedi prochain, nous reprenons notre session des offices chorales qui ont maintenant lieu le samedi soir. Donc le 16 octobre prochain, il y aura la Schola Grégorienne de Genève dirigée par Serge Hilg et les pasteurs Roland Benz et moi-même. C'est donc samedi prochain, 16 octobre, à 18h dans la cathédrale. Et dimanche prochain, le culte à 10h ici à la cathédrale, et le soir au Temple de la Madeleine, la pièce de théâtre inspirée du texte d'Éric Emmanuel Schmitt, l'Évangile selon Pilate, à la Madeleine à 17h. Vous trouverez aussi au fond du Temple les papillons qui concernent la campagne de l'Épère pour cette année et de pain pour le prochain. Merci ce matin à Daniel, Pascal et Henri pour les lectures, pour l'accueil et l'installation du pain et du vin. Merci à Vincent pour la musique. Voici maintenant le temps de l'offrande. On n'a pas besoin de faire entrer un chameau pour que vous voyez un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre votre don à l'Église et l'Évangile prêché ce matin. Dieu aime un don joyeux. Et pendant l'offrande, nous chantons « Nos cœurs te rendent ». C'est le numéro 386, « Nos cœurs te rendent », numéro 386, les strophes 1, 2 et 3. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs.
jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire « Père », qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps, par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Sanctus numéro 129, nous nous levons, Saint notre Dieu. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang ». Le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de ta présence, de ton Fils, parmi nous. Fais toute chose dans nos cœurs, fais toute chose nouvelle dans nos cœurs et dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Voici le repas que nos mains ont préparé, c'est le Seigneur qui vous y invite. Voici cette table dressée devant nous, et c'est le Seigneur qui nous y accueille. Voici la joie que nous avons tant désirée et que lui-même nous donne. Je vais vous inviter à me rejoindre dans le chœur de la cathédrale pour faire un cercle. Nous prendrons la scène ensemble comme ça en cercle. Je vous invite aussi à prendre vos cantiques car nous chanterons le dernier cantique depuis le chœur. Venez, tout est prêt. Je rappelle que l'unique condition pour prendre le pain et le vin est de reconnaître Jésus pour Sauveur et Seigneur de sa vie. Venez. Te remercions, Dieu notre Père,
pour ta parole lue, entendue et prêchée, pour la force qu'elle nous donne dans cette semaine qui s'ouvre. Nous te remercions pour ce pain et ce vin partagés, nourriture du monde, qui nourrissent nos corps, nos âmes, à ta suite. Amen. Et ensemble, nous chantons « Demeure par ta grâce » le numéro 145 de vos cantiques. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous conduit. Il pose son regard, son amour et sa bénédiction sur nous. Amen. Allons en paix.